J'en ai marre, non mais sérieux quoi, regarde. En CM2, la prof, Nicolas, dessine un personnage, le personnage de Nicolas. Quelques années plus tard, en cinquième, la prof, Nicolas, dessine un personnage. Le dessin de Nicolas. Non mais sérieux quoi, t'en as de CM2 à cinquième, il passe de level 0 à level 0,5. C'est un truc pas possible, surtout en dessin. Non mais je veux dire quoi, en art plastique, de sixième à cinquième, et même en CM2... T'apprends quand même beaucoup de choses pour dessiner surtout. Et puis tu peux demander à des gens qui savent dessiner dans ta classe à t'apprendre à dessiner. Je sais pas, toi-même, je pense que t'as déjà vu des personnes dans ta classe ou toi-même qui ne savent pas dessiner et qui te dessinent des horreurs comme je viens de montrer là. C'est un truc de malade. Alors aujourd'hui, j'ai décidé que cette époque serait révolue. Toutes les personnes qui ne savent pas dessiner doivent regarder cette vidéo. Toi-même, si tu connais quelqu'un qui ne sait pas dessiner, dis-lui de regarder cette vidéo. Il l'aide. Ça l'aidera beaucoup. Donc, dans cette petite vidéo, je vous montrerai comment faire quelque chose de simple. Déjà, une tête. Bon, le corps, je suis pas encore trop mis au point, moi. Mais comparé à certaines personnes, on va dire que je l'ai high level. Donc, la vidéo qui va suivre dans quelques instants, vous pourrez voir comment dessiner un corps. Allez, bon visionnage.
Donc voilà, maintenant t'as vu comment dessiner la tête d'un personnage très facilement. Plus tu t'entraîneras à faire des dessins, plus ce sera facile pour toi. Maintenant, petite annonce que je dois faire depuis très longtemps. Le Discord est officiellement ouvert. Le Discord de la chaîne YouTube est officiellement ouvert. Oui, vous avez bien entendu. Donc, vous pourrez directement y aller dans la description. Ce sera l'un des premiers liens. Ou l'ouvrir. Vous faire un compte Discord si vous n'en avez pas un. Ou sinon, directement le rejoindre et vous pourrez échanger avec moi et les abonnés. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à la prochaine.